fondateur du projet Altaïr à l'Onera répondait à Edmé Doudi. Les musulmans de Guyane ont célébré leur nouvel an de l'Hégire ce week-end. Et oui, ils ont accueilli l'année 1441 samedi soir. Dans sa volonté de partage et d'intégration, l'association culturelle et caritative des musulmans de Guyane a invité plusieurs personnalités politiques et de la société civile autour d'un dîner festif. Et parmi eux, Céline Jiang est d'origine chinoise. Elle a souhaité participer à la fête. Quoi de plus normal puisqu'elle maîtrise la langue arabe? On l'écoute. Déjà, je suis curieuse par nature, donc j'ai décidé d'apprendre l'arabe et j'ai décidé d'acheter un livre avec juste quelques CD et je l'ai appris toute seule. En fait, on dit que c'est une des langues les plus difficiles, l'arabe, certes, avec le chinois, mais si on a plus de détermination et plus de volonté, on peut arriver. Alors que si moi, qui est d'origine chinoise, j'arrive à apprendre l'arabe, je pense que tout le monde peut arriver à apprendre l'arabe. Pour moi, ça a été très facile parce que j'étais déterminée. Et c'est vrai qu'au début, c'était l'alphabet arabe qui me posait un problème parce qu'il fallait connaître le début, le milieu et la fin de l'alphabet arabe. Mais ça, c'était juste quelques mois que j'ai su maîtriser et ça allait très très vite ensuite. Et puis on finit avec...